Yo, salut à tous, on est en caméra 360, je suis en train de tester la caméra 360. Si, comme pour moi, c'est nouveau, normalement, si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez juste tourner votre téléphone et vous allez pouvoir voir où je suis. On va aller monter dans le parc là-haut, voir un peu là où j'habite, comment c'est. Il y a les montagnes, si vous tournez derrière là-bas, vous allez voir les montagnes, il y a encore un petit peu de neige. Le grand soleil, ça fait plaisir. Si vous êtes sur l'ordinateur, j'ai aucune idée de comment ça marche. Je regarderai avec vous, je pense qu'il suffit de, avec la souris, de cliquer à droite ou à gauche, ça va vous faire tourner la caméra. Donc ce titre est carrément putaclic, je n'arrête pas le vélo bien sûr, hein, c'était juste pour vous faire cliquer et vous montrer ça. J'aurais pu passer au foot, mais honnêtement, regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, quelques jongles, en plus c'est bien dégueulasse. Voilà, le foot c'est pas pour moi. Je vais aller faire quelques tirs quand même là-bas tout à l'heure pour m'occuper. Donc voilà, j'arrête pas le vélo, c'était une connerie. C'était juste pour me tenir au courant surtout de l'évolution de ma blessure, de ma main. Bon, je pense que vous êtes au courant, hein. Je ne vais pas le répéter 15 fois, que je me suis cassé la main. Donc ça va beaucoup mieux. Là, si vous voyez, ils viennent de m'enlever aujourd'hui le plâtre, après un mois et demi. Donc voilà, plus de plâtre. J'ai cette belle cicatrice, je ne sais pas si vous la voyez, sur la main. Elle fait à peu près, je ne sais pas, 3-4 cm, 4-5 cm. Donc on va me réopérer le 18 février, donc dans 10 jours à peu près. Ils me réouvrent la main pour m'enlever les broches qu'ils m'ont mis dedans. Parce que la première opération, en fait, ils m'ont mis des broches. Et voilà, c'était vraiment pour aider à consolider. Donc là, ils me les enlèvent le 18. Et normalement, je vais pouvoir reprendre, si tout va bien, le vélo le début mars, mi-mars. Normalement, il y a encore 3-4 semaines, il m'a dit, après l'opération. Donc voilà, allez, encore un gros mois à tenir. Olé. Encore un gros mois à tenir. Bon, les vidéos, elles ne s'arrêtent pas, vous le voyez, on continue. Là, il y a quelques petites vidéos sympas qui vont arriver. Je vais vous montrer mon nouveau BMX. C'est vous qui allez m'aider à le choisir. Mon nouveau VTT qui va arriver aussi bientôt. On va faire des trucs. Et j'ai un gros projet. Et ça, vraiment, c'est pour ça qu'on se fait une petite vidéo à la cool. C'est aussi connaître vos attentes. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Savoir pourquoi vous suivez ma chaîne. Quel genre de vidéos vous plaisent le plus. Est-ce que c'est les vidéos, je sais que... Beaucoup c'est genre Instagram contrôle ma vie, les trucs un peu à la cool. Est-ce que c'est plus des défis, est-ce que c'est plus des vidéos 100% vélo? Donc voilà, j'ai besoin de vous pour savoir vraiment ce qui intéresse, pour commencer à programmer des nouvelles vidéos, des vidéos qui vont vous plaire. Donc voilà, dites-moi vraiment dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis dites-moi aussi si la caméra 360 comme ça, ça vous plaît. Voilà, je pense que ça donne l'impression d'être à côté de moi, de pouvoir voir la même chose que ce que je vois. Alors là, vous pouvez voir une belle merde à mes pieds. Voilà, on peut la voir en caméra 360, cette merde. C'est génial. Et là, vous voyez, c'est un petit parc. Donc là, on est juste à côté de chez moi. Je vous emmène vraiment à côté de chez moi. Si vous regardez, vous tournez la caméra juste là. Je sais pas comment on fait. Il y a les montagnes. Vous êtes tout près de Grenoble, là. Donc, il y a encore de la neige. Hein. Ce matin, j'ai gratté le pare-brise pour aller à l'hôpital. Il faisait moins 5 degrés. Donc... là, il fait grand soleil, ça donne trop envie de faire du vélo. Ça, c'est le truc vraiment le plus frustrant quand t'es blessé. C'est quand il commence à avoir du soleil, tous tes potes te disent on va rouler, et que toi, t'es comme un con, que tu peux pas faire de vélo. Donc, voilà, il y a le camion qui arrive, vous pouvez le voir, il passe juste à côté. Donc, vraiment, j'ai hâte. Donc, dans un mois, on va pouvoir reprendre le vélo, on va pouvoir reprendre pas mal de trucs. On va pouvoir réorganiser des rassemblements, des stages, des trucs. J'ai vraiment hâte de pouvoir... rider avec vous. Je pense que cette année, ça va être l'objectif. Rider avec vous, se faire plaisir. C'est pas genre, on va pas faire un rassemblement et vous signer des autographes. Ça me semble pas très intéressant. Je préfère rouler avec les gens. Donc, si ça vous dit, marquez aussi votre ville. Comme ça, on va essayer d'organiser un maximum une espèce de petite tournée. Genre un petit tour de France. Voire plus, si ça le permet. Peut-être le Canada, peut-être la Réunion. Je sais qu'il y en a plein qui nous regardent de là-bas. Pour pouvoir aller rouler avec vous, trial, BMX, aussi marquer votre discipline, comme ça on est au courant. Donc voilà, bon, on va se quitter là-dessus. C'était juste un petit test de la caméra 360, voir ce que ça donnait. Si ça vous plaît comme ça, les espèces de petits vlogs à la cool, je peux en faire un petit peu plus. C'est un truc qui me plairait bien, moi, ce format vlog à la cool. Je vous montre, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent, bah, t'es blessé, tu fais quoi du coup de tes journées, tu fais rien, tu t'ennuies. Non, honnêtement, je fais beaucoup de choses et ça, je pourrais vous le montrer. Il y a beaucoup de trucs, genre des marchés, des partenaires. Je reçois pas mal de colis aussi. Des fois, je vous les montre sur Instagram, des fois non, voilà, ça dépend. Je reçois des colis et surtout, on programme des très grosses vidéos, genre des records du monde, tout ça. Je vous ai pas dit, mais ça va être mon
pour moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Ça coûte très cher à organiser, les juges et tout, mais j'aimerais trop le faire. Donc ça va être un truc que je vais essayer de faire cette année. Bon, en tout cas, voilà, c'était un petit 360. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo 3.6. Et je vous dis à la prochaine.